les efforts de mission, les Arémanais feront de même. Nous y croyons parce que nous avons l'engagement qu'il faut, nous avons aussi les atouts techniques qu'il faut. Et les conditions ont été réunies pour vous permettre d'aller jusqu'au bout de cette compétition. Donc, chers entraîneurs, chers coachs, chers doyens, l'État sera toujours avec vous. Au Brésil, les Sénégalais resteront certainement ici, mais se mobiliseront pour vous accompagner. Nos prières vont vous accompagner, mais l'engagement du peuple sénégalais aussi ne fera jamais défaut. Vous allez retrouver les Sénégalais au Brésil. Ces Sénégalais constitueront le 12e gagné, je suis sûr. Parce que Issa Lage a déjà les contacts. Ce n'est pas la première fois que le Sénégal joue au Brésil. On a été pendant les Jeux Olympiques, on a été aussi dans d'autres circonstances. Et ces Sénégalais joueront pleinement le rôle du 12e gagné. Pour terminer, je renouvelle mes chers compatriotes, chers membres de l'équipe nationale, notre foi en vos qualités techniques. Et je demande, au nom du président de la République, je vous le demande, il faut honorer encore le Sénégal et le drapeau national. Par vos comportements sur le terrain de jeu et en dehors des terrains de compétition. Donc, monsieur le président, c'est ce que je voudrais dire. Avant de clore ce propos, je voudrais vous rappeler que mon rôle, c'est de recevoir vos revendications. Le jour où il n'y aura pas de revendications, où il n'y aura plus de revendications, ma position sera terminée. Donc, quelle que soit l'amélioration des conditions, je sais que vous demanderez toujours. Mais ce qui me plaît et ce qui me réconforte dans ce milieu, c'est que les présidents de fédération, les responsables du sport sénégalais, n'attendent pas que l'État fasse des choses. Vous prenez des initiatives, vous vous battez pour trouver des solutions. C'est ça la différence entre ce qui se faisait et ce qui se fait. Tous les responsables du sport sont des ministres des sports. Parce que si je ne suis pas là, quand il y a des difficultés, c'est le président Sante Aïe, ou bien c'est Ibrahim Had, ou bien c'est Seydina, et les directeurs. C'est comme ça qu'il faut. Et frère, M. Makarba, M. le président de la Fédération sénégalaise de handisport, notre cher grand et doyen Sante Aïe, Monsieur le secteur général du ministère des Sports, Monsieur le directeur de cabinet, Messieurs les directeurs, Messieurs et Mesdames les directeurs, Monsieur le secteur général du comité olympique, Mesdames et Messieurs de la Fédération, enfin du mouvement des acteurs du aussi membre de l'encadrement de cette équipe nationale. Monsieur le président du comité olympique, sportif sénégalais,